Salut, bon dimanche à vous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ok, je sais que vous avez plein de rêves. Aujourd'hui, c'est dimanche. Certains s'apprêtent pour aller à l'église. Par contre, d'autres vont se connecter ici. Donc, je vous attends, je vous attends. Soyez bénis. On va commencer les bonnes choses. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés sur ma page. Donc, si vous venez d'arriver, présentez-vous, donnez-moi votre nom et puis aussi ce que mes vidéos vous ont fait. Ok? C'est que l'autre jour, quelqu'un m'a traité de sorcière et j'étais ravie, like, oh my gosh, oh my god, on me traite de sorcière. J'étais trop contente. Oh là là. Bon, je vais juste te dire dans le groupe que je suis en direct sur Facebook, comme ça ils vont se connecter un peu. Bon, partagez ma vidéo avec quelqu'un à qui ça peut aider. Et même si vous regardez ceci plus tard, partagez la vidéo. Ok? Je vous salue. Je vous salue. Bon, pourquoi je fais cette vidéo? Ok, j'aurais pu. Je dois sortir pour le business aujourd'hui. Donc, avant de sortir, je me suis dit, il faut un peu de motivation là. Je sais qu'en fait, 2 jours, vous ne m'écoutez pas. Vous n'êtes pas content. Donc, j'étais en déplacement depuis vendredi. Vendredi, je suis revenu samedi matin. Oui. En 36 heures, j'ai fait 7 heures de route aller-retour, donc j'étais assez casse, mais ça s'est bien passé. Ok, bonjour, la reine Ninon, comment tu vas? Ok, bon, partagez aussi la vidéo s'il vous plaît. Il y a beaucoup de choisis qui se laissent encore berner, qui souffrent. Ok, attendez, je vais arrêter la clim parce que voilà, c'est plus calme, super. Ok. Bon, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Si vous regardez ma tête, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle dit? C'est qui ça? C'est qui cette femme-là? Ben, je suis la reine Jocelyne. Ok? Je serai pour vous qui vous voulez que je sois. Je peux être un vaisseau par lequel vous recevez la réponse à vos questions. Je peux être un vaisseau par lequel vous parlez aux défunts. Je peux être un vaisseau par lequel le Saint-Esprit vous parle. Je peux être. Je suis aussi coach pour certaines personnes, donc j'ai des programmes de coaching que je fais. Bonjour la reine Benji Chapi, je crois que c'est un homme ça, ou bien. Bonjour la reine Yaga. Ok. Bon, j'ai plein de choses. Il y a des gens qui me contactent souvent, ils me disent que c'est quoi ta spécialité? Quand vous m'écoutez, si vous m'écoutez pendant 20 minutes et vous ne trouvez pas en quoi je peux vous aider, ça veut dire que réellement je ne peux pas vous aider. Ok? Mettez beaucoup la vérité dans ce que vous faites. J'ai eu une consultation avec quelqu'un hier. Il vit vraiment dans le mensonge. Et je lui ai dit, il me dit, ça fait 3 jours que je t'écoute, je dois te parler. Et là, on commence beaucoup de mensonges et manipulation aussi. Je lui ai dit, arrête de manipuler les gens, arrête de mentir. Arrête de mentir à ta propre famille. Parce que l'esprit de vérité libère. L'esprit de vérité permet à l'esprit de pouvoir vous parler. Donc, j'ai rencontré un roi, un prince d'ailleurs. Normalement, il est d'un royaume ici, là, au Cameroun. Et quand on parlait, on va dire en quelque sorte, il est un peu comme moi. Il me dit, la base de tout, on ne peut pas mentir. On ne peut pas se permettre de mentir. Tu ne peux pas mentir. Les ancêtres peuvent, ils vont te. Tu vas te mettre, tu mens pourquoi? Comment? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire genre, tu es fait la demain, tu mens. Je ne peux pas. Même quand elle rencontre un homme, je ne peux pas te mentir. Et je sais que parfois on se dit que c'est une position de faiblesse, mais ça te donne de la force, de la puissance. Parfois il faut jongler, parfois. Dans le business, je ne mens pas. Ceux qui ont déjà, vous m'avez déjà, on a fait le business ensemble, vous avez été dans mes formations. Je vous dis comme c'est. Pas déjà que tu viens, tu crois que je vais faire le miracle. Je dis non, voici ma part. Voilà ta part. Toi, tu l'as fait ça. Pour que ça marche. Ok.
Donc, je tourne un peu comme ça pour que certaines personnes voient le message que j'ai mis et qu'ils se connectent. Donc, bonjour la reine Domgué, comment tu vas? Ok. Vous savez, je demande l'inspiration, je demande que le Saint-Esprit me permette de parler de façon claire. Vous puissiez obtenir les réponses à vos questions. Voilà. Quand vous vous levez le matin, je sens qu'il faut que je parle d'abord de ça. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez fait des cauchemars cette nuit. Vous avez dépassé le niveau où on va vous poursuivre dans votre rêve. Vous avez dépassé le niveau où le chien va vous mordre dans le rêve. Arrêtez aussi, non? Ouais. Vous avez pas que c'est même pas le titre de mon direct. Hein. Quand il fait le direct, je connecte seulement pour voir ce que les esprits veulent dire. Vous avez dépassé le niveau où on va vous poursuivre, prendre vos choses dans le rêve. Parce que je crois que sans qu'il y ait des gens, il y en a parmi vous, vous êtes réveillés de très mauvaise humeur. Vous êtes réveillés de très mauvaise humeur. Et vous réveillez, votre énergie est basse. Écoutez, tout fonctionne avec l'énergie. Votre puissance, c'est dans votre énergie. Donc quand vous vous levez, vous êtes fort, vous sentez. Et j'ai fait plein de vidéos que je mettrai sur YouTube. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. J'ai fait des trucs, je vais expliquer comment utiliser le sel pour se laver. Comment utiliser les encens. J'ai plusieurs types d'encens ici. Donc dans cette vidéo, j'explique. Ceux qui sont aussi à l'étranger, vous pouvez commander ça. Donc voilà, l'encens pour l'argent, encens Saint-Michel. Là, c'est From Failure to Divine Success. Ok. Donc, il y a plein de types d'encens. Ceux qui en a, vous dites, je bouge seulement la lavande, je bouge seulement. Quittez sur le petit niveau. Ok. Bon, vous savez que je vous éduque seulement ici. Il y a aussi les sels. Et c'est que vous là-bas à Paris, j'ai beaucoup de personnes à Paris, vous avez la peine. Je poste ceci, j'envoie. Donc j'ai quelqu'un chez qui j'envoie en gros et puis la personne peut vous poster. Plusieurs couleurs de sel, vous devez faire vos lavages. Très important. Et les consultations sont nécessaires parce que, voilà, il y a le sel bleu, il y a le sel vert, tout ça là. Vous savez, Dieu m'a appelé à mettre les secrets, les trucs qu'on cache aux gens là qui font qu'on vous tabasse à gauche, à droite. Moi, je ne profite rien de savoir que il y a peut-être 1000 Africains en Europe qui sont en train de souffrir. Et des choses que je vous montre ici, là, tant que Dieu va me donner le souffle de vie, je vais vous montrer. Je sais que certains m'amis, vous n'allez jamais me contacter. Ça ne me dérange pas. J'ai assez de sous. Je reste comme ça, les gens me font les offrandes. Je reste comme ça, je dis que, oh, mamie, tu as tellement aidé, oh, prends. Parfois, ils dorment comme ça, ils me réveillent le matin, ils voient 500 000 dans mon compte. Donc, vraiment, écoutez, ce n'est pas votre. Quand je dis souvent que la consultation, ce n'est pas vos 25 000 de consultation que je veux. Mais je connais que ce que je vous montre ici, je sais que ça va vous aider. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous, on montre que vous ne faites pas. On montre que vous ne faites pas. Je ne sais pas pourquoi. Déjà, même pour vous montrer, tu peux vivre jusqu'à 50 ans. On ne te montre pas que tu dois faire ça, ça, ça. Vous connaissez. Vos amis avec qui vous êtes tous les jours là, ils connaissent ce que. Quand ils vont voir, vous allez commencer à faire, ils vont arriver chez vous et dire, hé, tu as aussi le sel-ci. Elle connaissait ça depuis, elle ne t'a pas montré. On se connaît Camerounais, on se connaît. Elle connaît que c'est comme moi, elle n'a pas fait ça, ça, ça. Quand tu vois mes choses avancent toujours, c'est fait ça, elle ne te montre pas. Toi, tu es là chaque jour, tu te plains que pourquoi mes choses n'avancent pas. Et il y a même certains de vos amis qui partent chez les marabouts, ils checkent que quels sont mes amis qui sont bien. Certains de vos amis prennent vos chances. Ha. Oh, j'ai fait le direct, j'ai mis ça passe seulement dans ma bouche. Je n'avais pas l'intention de parler de l'autre aussi. Vous avez les amis avec lesquels vous fonctionnez. Ils connaissent ce qu'ils vous expliquent chaque jour ici là sur mes directs. Ils connaissent. Ils ne vous disent pas. Souvent, avec ton ami disparaît, puis qu'elle n'est pas au pays, elle n'est pas fait une semaine. Elle revient. Quel est un peu le problème dans son couple là? Voilà la fin d'année qui arrive, non. Elle te fait un voyage où c'est incognito comme ça là. Elle fait piou piou, elle pas, elle revient. Bon, pardon, partagez ma vidéo. Je sens que le message aussi va beaucoup toucher les gens. Le truc aussi, c'est que le Camerounais est mesquin. Tu vois les Nigériens, hein? Si on connaît un Nigérian, connaît un endroit où il y a les bonnes choses. Bonjour, bonjour, bonjour Bénédicte, la reine Richemont, bonjour la reine Maïmouna. Bonjour la reine Wafou. Si un Nigérian connaît qu'ici là, on donne les boulots, il va porter tous ses frères. Bonjour Franco, dont je suis l'ange. Portez tous ses frères, venez dire que venez aussi voir aussi, venez ici là, voilà il y a ici, venez voir.
tous ces frères vont venir, ils vont manger. Vous allez voir dans le bureau, vous avez souvent dans le McDonald's en Europe. Quand vous allez dans un McDo, vous voyez le manager, c'est un Pakistanais. Regardez combien de Pakistanais vous avez qui travaillent dans le McDo là-bas. Vous arrivez quelque part, vous voyez le manager, c'est un Nigérian. Écoutez l'accent, vous allez voir combien de Nigérians vous avez là-bas. Mais les Camerounais, je vous dis que vous allez changer. Ça va changer. Vous allez voir que ce qui va aider vos frères, vous allez aussi partir montrer. C'est comme ça qu'on a la bénédiction. Dieu connaît qu'il y a des gens qui, comme moi là, vous ne pouvez pas me toucher. Parce que Dieu connaît que s'il me donne, je vais donner. Il me montre, je vais aider. Certains parmi vous, vous connaissez. Si les Ivoiriens font aussi la même chose, c'est super. Vous connaissez peut-être ce qui va aider votre frère. Ton frère, là, il tourne depuis. Chaque jour, tu l'aides à faire des choses, il ne fait pas. Tu parles tellement, il ne fait pas. Tu trouves un truc qui va aider ton petit frère. Si c'est le lavage, c'est n'importe quoi. Paye. Tu lui envoies, il fait. J'ai des gens ici là qui ont payé les consultations pour tous les membres de leur famille. Elle paye, elle voit sa l'aide. Elle envoie sa soeur, elle envoie sa belle-soeur, elle envoie la femme de son petit frère. Elle envoie que pâté. On ne profite rien quand on est méchant. Moi, vous dis-moi. Bonjour la reine de Phrasie. Bonjour la reine Céline. Ça ne vous aide pas. Donc, je reviens sur ce qu'elle disait. Vous avez des amis autour de vous. Ils connaissent ce que je vous montre ici chaque jour. Ils font ça depuis longtemps. Peut-être leur mère leur a montré ça. Quand vous l'avez rencontré, ça fait 5 ans, elle faisait déjà ça. Elle faisait déjà ça depuis longtemps. Elle vous rencontre. Et ces gens-là checkent leurs amis. Vous m'écoutez? Ces gens-là checkent leurs amis. Ils partent checker. Je parle avec une reine l'autre jour. Bonjour Laura Amand. Je parle avec une reine l'autre jour. Elle me dit qu'elle a une amie là que tous les 6 mois qu'on s'est pas au Nigeria. Elle fait même 2 semaines en revenant. Elle fait les shopping. Elle lui donne même un sac Louis Vuitton. Elle dit que mamie, le sac c'est à coûter même 1 500 $. Tu me donnes un. Elle dit que j'ai même 10 comme ça là. Et ça, son amie là lui dit que tu ne connais pas les chances que tu as. Parce que vos amis sont partis vous checker. Ils sont partis vous checker. Arrêtez d'être trop simple. Arrêtez d'être trop simple. Ce que je vous montre ici, je vous dis ceci. Protège-toi. Comme vous êtes là, il y a des gens qui viennent souvent chez vous que oh, je viens dormir pour le week-end. Oh, ma copine, j'ai passé dans la ville. Elle vient déposer ses choses dans ta maison. Elle part dans la douche, dans les toilettes, elle lance un truc, tu ne le connais même pas. Oh Seigneur, Dieu fait que me fait dire les choses aujourd'hui là. Quand vous voyez que quand vous êtes en bain, vous êtes protégé, n'est-ce pas? Tu as ta soeur ici au pays. Chaque fois que tu envoies l'argent, elle te dit qu'il faut faire telle chose. Tu envoies l'argent, que va aussi au village, tu fais ma part. En partant, fais, prends tes chances. Ta soeur. C'est pour ça que vous devez checker avec le Saint-Esprit. On n'envoie pas n'importe qui fait ces choses. On n'envoie pas n'importe qui fait ces choses. Tu as ton truc, tu vas acheter le terrain. Même la personne qui va acheter ton terrain, ce n'est pas n'importe qui va acheter ton terrain. Je veux que vous soyez, commencez à devenir. Ayez la foi d'un enfant, mais soyez aussi prudent. Jésus a dit ceci. Vous savez être comme des loups et comme des agneaux, donc des doves. Doves, c'est la colombe. Vous savez quoi? Attendez, je vais chercher le passage de Bible. Moi, j'aime moi parler ma chose avec les preuves à la pluie. Parce que vous êtes vraiment doux. On entre dans votre vie, on abuse de vous. Mais vous n'êtes pas sage. Vous n'êtes pas sage. Attendez, je vais chercher le passage de Bible. Allez, je cherche le passage. Voilà. Soyez aussi sages que les serpents et aussi inoffensifs que les colombes. Je vais vous chercher le passage là. Matthieu 10, verset 16. Ne prenez pas seulement une facette de la pièce. Même si c'est ton propre gars, vous dormez ensemble. Ha! Vous allez devenir sage sur la page ici. Vous me comprenez, non? Tu vas rester comme ça, tu vas monter ton immeuble.
L'immeuble que ça fait 10 ans que tu as mis la fondation, tu ne l'as pas monté là. Tu vas monter ton immeuble en 6 mois, tu as fini. Et vous connaissez, quand vous venez dans les consultations, vous me dites vos problèmes tous les jours. Je parle à vous, fuyez. Est-ce que moi, je vais me fatiguer? Il ne me fatigue pas. Vous connaissez ce que Dieu m'a appelé à faire? Attendez, je vais vous lire le passage clairement. Jésus dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Vous êtes les brebis. Vous connaissez votre bon cœur. Vous savez que vous voulez aider les gens tous les jours. On vous a déjà fait ça dur. Quelqu'un prend ton argent, il passe sur le marabout, il travaille. D'autre part, vous contrôlez que c'est seulement à eux que vous devez envoyer l'argent. Dès que tu reçois l'argent, c'est le jour où tu touches l'argent que la personne a des problèmes. Oh! Ha ha! Oui! Donc, vous savez quoi? On m'a fait ça, moi là. On m'a fait ça. Tu es en Europe, tu travailles. Tu fais 5 ans, tu vois pas ce que tu avances avec. Mais tu peux voir les Western Union. C'est le Western Union que tu veux voir, mamie. Western Union chaque jour. Hop. Western Union, le Western Union, ça ne finit pas. Comme on ne fait pas les Western Union là. J'espère que vous brûlez vos encens chez vous. Vous faites ça. Il dit, je vous envoie au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Simples comme les colombes. Un choisir, la puissance de ton cœur, ce qui fait ta force, c'est ta générosité. Je vais vous expliquer les choses sur vous. C'est ta générosité. Et c'est ça qui t'a sauvé depuis. Tu ne sais même pas. Maintenant, en étant généreux, tu vas ajouter une petite touche de prudence dessus. Et n'est pas dire que je ne donne plus à personne, c'est bon, je garde mon argent pour moi-même. Non. Ton argent, l'argent est fait pour circuler. L'argent est fait pour circuler. Simple comme les colombes. Vous connaissez la colombe d'abord, elle est pure. Et la Bible dit que ceux qui n'ont pas le... Si vous n'avez pas le cœur pur, Matthieu 5, verset... Mais je fais que... Ma part de prédication aujourd'hui, là, c'est grave. La Bible, le titre, le sermon, ça n'avait pas le titre. Je vous avais donné le titre que vous voulez. Matthieu 5, verset... Le serment à la montagne, les béatitudes là. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Moi, quand j'étais à l'église tout le temps, on me disait, wow, cœur pur, ça veut dire, moi, mon interprétation que j'avais, c'était genre, faites-moi tout le mal que vous voulez. Faites-moi le mal que vous voulez. Le Seigneur, c'est lui qui va me défendre. What? Tu fais le jacquet, tu connais que mon oncle-ci, il a essayé 3 fois de me tuer. Maintenant, je m'arme. Ils ne peuvent accéder que si vous laissez la place. Il y en a parmi vous, vous connaissez que vos oncles là sont des sorciers. Vous ne faites donc aucun, vous n'avez aucun lavage, vous n'avez fait rien. Donc vous êtes là simple, bête, simplement comme ça là. Ouais. J'ai expliqué la dîme ici. Si quelqu'un est sur la page, s'il ne connaît pas ce que la dîme fait dans sa vie. Et même si tu connais, tu ne fais pas. C'est toi qui vas payer les pots cassés. Écoutez, la spiritualité, ce n'est pas pour seulement connaître et conseiller les gens. Tu dois connaître, tu fais. Tu dois connaître, tu fais. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Vous allez sûrement dire, mais c'est même qui comme ça qui bavarde, elle est coque, c'est même qui comme ça là. C'est moi. Je m'appelle Kouo, la reine Kouo. Mon père m'a appelé Kouo. Mon nom du village, c'est Ngogum Kouo. Vous pouvez aussi m'appeler Reine Jocelyne. Ok. Je veux que vous sortiez de l'ignorance.
Diagnostiquez-vous vous-même. Tu dois pouvoir rester comme ça, tu dis que j'ai lancé le chantier ici depuis 5 ans. Chaque fois que je vais mettre la tôle, même si je porte l'argent de la réunion, il y a toujours un problème qui se passe. Ça fait déjà 6 fois qu'on a pris mon argent pour le visa ci. Ça fait déjà 8 ans que j'ai déposé l'application ci. Tous mes enfants sont british. Tous mes enfants sont français. Pourquoi je n'ai pas encore les papiers? Commencez à vous poser les vraies questions sur votre vie. Merci la reine Carolina. Commencez à vous poser les vraies questions. Est-ce que vous avez parti sur les directs où on va vous parler des trucs qui n'ont pas de sens? On dit les clashs de telle personne. Que je parle de Coco Lemilia. Que Coco Lemilia, quand elle finit de parler d'elle, elle va me donner l'argent. Si avec, on me montre une star, quand elle finit de parler d'elle, ça me, dès qu'elle finit comme ça, elle voit 100 000 euros devant ma porte. Ne vous en faites pas, parce qu'elle fait le direct, je parle des clashs. Parce que vous écoutez les gens là, vous riez, tu finis, tes problèmes sont toujours là. Bonjour la reine Germaine. Tes problèmes sont toujours là. Tu as tous les mêmes problèmes, les mêmes blocages. Et le pire, c'est que tu ne connais même pas que tu es bloqué. Tu as déjà accepté ta situation. Tu ne connais pas que tu es bloqué. Tu avais le gars depuis 10 ans. Chaque fois que vous prévoyez que vous allez vous marier, l'argent que vous avez économisé là, un problème sort. Tu as commencé ta carrière peut-être de chanteur depuis. Tu chantes bien. Tu sais que tu chantes bien. Tu sais. Tu sais que tu connais que. Non, moi, je connais. Tu es toujours en train de demander les 10 euros. Tu as à peine tu peux payer ton loyer. Bonjour, la reine Kenyé. C'est à peine tu peux payer ton loyer. Quand est-ce que tu vas aussi vivre de tes talents? Bonjour la reine Edwige. Bonjour la reine Alette. Ce que les principes que je vous explique ici, j'ai une de mes filles en Europe là. Quand on s'est connue, elle avait le séjour étudiant. Bonjour Jordan. Elle avait le séjour étudiant. Et c'est comme si elle, quand elle étudiait, elle ne comprenait même pas. Elle a tourné, paf, elle a échoué la première année. Elle a tourné, l'année qui a suivi, elle a encore échoué. Merci pour ceux qui me font les dons là. Il y a beaucoup de dons. J'ai reçu beaucoup de dons. Souvent, ils me réveillent le matin comme ça là. Quand vous envoyez, mettez vos noms que je vois au moins la personne. Et si vous ne voulez pas que je sache votre nom, il n'y a pas de souci. Souvent, parce que j'ai mis mes détails Orange Money ici là, je me vais souvent y voir. Ce matin, quelqu'un m'a envoyé, je ne sais même pas combien c'était. En euros, ça doit faire peut-être 70 euros. Je me réveille et vois ça, je dis, je ne sais même pas qui a envoyé. Bon, merci, merci. Quelqu'un m'a envoyé un truc comme, en France, c'est facile, un truc comme 240 000 ce matin. Merci, merci pour vos dons. Ok. Donc là, voilà, je parlais de la jeune fille. Voilà la jeune fille qui reste. Elle étudie, elle ne comprend pas. Et quand tu lui disais, tu donnes Dieu un truc de faire, tu donnes une instruction. C'est quand je vais donner une instruction, peut-être que, ok, lave-toi avec ça, fais comme ça là. C'est là qu'elle va avoir les problèmes. Bonjour le roi Siwe. Je pense que c'est toi qui as payé ta dîme. C'est aujourd'hui que j'ai vu ton message. Parce qu'il y a certains de mes WhatsApp que quand vous m'écrivez dessus, je crois que c'est toi. Donc vraiment, j'ai déjà envoyé une prière que le Seigneur qui récompense ton obéissance à ce qu'il a, à ce qu'il te dit. Parce que quand je parle ici, c'est ce que vous voyez que vous faites. C'est pas moi qui bénis, mais que le Seigneur te le retourne 100 fois plus et qu'il t'ouvre les écluses des cieux. Donc je préfère que vous me fassiez les transferts sur mon téléphone parce que parfois il y a des jours je ne vais pas m'aligner à là-bas. Je pars dans le Western Union, m'aligner même pendant 2 heures de temps. Et ça, ça me. Vraiment, pardon. Il y a mes numéros ici là. Il y a les applications mobiles. Il y a TapTapSend. Il y a SendWave. Il y a WorldRemit. Vous envoyez dans le téléphone directement. Quand il me réveille, voir ou bien dans la journée, je reçois. C'est mieux pour moi, vraiment. OK. Pour tous ceux qui ont fait les offrandes cette semaine, écoutez très bien. Je vous ai aussi enseigné comment semer. Je vous prends, je prends la Bible, je vous montre. Je prends le village, je vous montre. Donc, il faut que vous soyez. Qu'on ne vous attaque pas à aucun point. Parce que quand tu sèmes maintenant, tu dois changer tes pensées, tu dois renouveler tes pensées. Et ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on va faire la communion à 18h.
On va faire la communion. Je vais vous expliquer encore le mystère de la résurrection. Je veux que vous puissiez comprendre ça. La communion guérit. La communion fortifie. Que vous engagez tout cela. Voilà. Donc, je parlais de cette jeune fille qui est en Belgique. Donc, elle était en Belgique et puis là, elle est plus là-bas maintenant. Donc, après 2 ans, elle échouait. Elle a perdu son titre de séjour parce qu'elle ne fréquentait pas. Et parfois, en vous, il y a une lourdeur qui fait que tu connais ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. On te dit que prends. Si tu regardes la vidéo, je vais poster ça sur YouTube ce soir. Comment utiliser les sels pour se laver. Tu sais que je dois prendre le sel-ci, je dois prendre ça. Et c'est en fonction, la consultation vous aide aussi à connaître exactement quel est votre problème. Il y en a parmi vous, on vous a seulement attaché. Cadenas sur vous, vous avez les cadenas, même 50 cadenas. Tu ne peux pas venir directement, tu tombes, tu veux faire le traitement pour le... Tu dois connaître ce qu'il y a qui te dérange. Donc, il y a certains que c'est le business. Tu fais ton bien, ça ne marche pas. Et il y a des sels, par exemple, celui-ci. Ce sel violet, il y a des sels violets qui sont pour l'attirance, il y a des sels violets qui sont pour l'argent. Donc ça, celui-ci, c'est pour l'argent spécifiquement. Donc, on donne les produits, on lui dit que fais, elle ne fait pas. On lui dit que lave-toi avec le sel, elle ne se lave pas. On lui dit que prie même comme ça là, après même elle reste, la base là-bas c'est qu'elle ne payait même pas sa dîme à l'époque. Elle ne payait pas sa dîme. Elle est restée comme ça là. Je lui dis que ma chérie, c'est ton obéissance qui va te sortir du trou là où tu es. Une période a commencé à obéir, elle a payé sa dîme une fois. Elle est tombée sur un monsieur qui lui a offert un logement gratuit. Ça, vous savez que ça n'existe pas en banque. Quelqu'un te donne sa maison. Quelqu'un t'emploie, quand tu viens pour faire l'interview pour le boulot, il te dit que ah, j'ai même une de mes maisons que je n'utilise pas. Tu peux aller vivre là-bas pendant 2 mois. C'est comme ça que l'année passée, elle a vécu dans le logement pendant 2 mois, gratuitement. Et le mois-là, elle avait payé sa dîme. Écoutez, je vous dis toujours quand même, testez Dieu. Moi, c'est un Dieu qui est le Dieu du tic au tac. Le Dieu du tic au tac. Il y a des personnes qui, quand ils font l'offrande, peut-être comme ça là, dans la journée là, tu vas voir si quelqu'un, peut-être quelqu'un te devait de l'argent. Vous savez que même les dettes, les gens qui retiennent votre argent dehors aussi, ça c'est aussi des formes de blocage. Je crois que vous savez ça. Quelqu'un a tes 3 millions, il te remet en 10 000. 10 000 seulement. 10 000. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Mon YouTube, c'est de Guidigui Academy. Voilà mon nom YouTube. Et j'ai mis le lien dans la vidéo aussi. Donc après, vous pouvez cliquer juste sur le lien, ça vous amène sur les vidéos. Donc les vidéos de lavage et tout ça là, je vais mettre ça sur YouTube. Donc, il te paie en 10 000. Quelqu'un a ton... Je ne sais pas comment il peut vous dire. Il y a tellement de formes de blocage. Vous avez vu que cette semaine, je suis en train de vous montrer. J'ai fait des petites vidéos de 2 minutes où je vous donne les formes de blocage que vous avez. Et vous ne savez même pas. On te promet de t'épouser. L'argent du mariage que vous avez gardé. La semaine d'avant, ça, le père de ton fiancé meurt. Tout l'argent, il faut dépenser sur le deuil. Ma chérie, tu es bloquée. Et te dis-moi. Donc, quand vous commencez à faire ces choses-ci, donc je reviens sur la jeune fille. Je ne sais pas pourquoi elle commence à raconter son histoire sans faire qu'elle fait comme ça. Là. À un moment maintenant, elle a trouvé une petite ouverture. Elle s'est déplacée partie dans un autre pays. Elle est arrivée là-bas sans papier. Là, elle commence sa vie sans papier maintenant en Ben. C'est fort. Elle a eu la chance, elle est allée dans un centre, on l'a prise là-bas. Et le logement, elle ne paye pas. Elle a fait ses papiers en attendant maintenant qu'on puisse accepter sa demande. Je sais pas si sa demande d'asile qu'elle a fait, je ne sais même pas trop. En attendant qu'on accepte maintenant, elle paye sa dîme. Elle commence à avoir maintenant les opportunités de boulot. Imagine, tu es dans un pays, vous les connaissez, non? Allemagne, Belgique, tout ça là, c'est pas facile de travailler sans les papiers. Mais elle me dit que depuis là, elle travaille. Et elle paye sa dîme. Là maintenant, elle me dit, ok, elle sent maintenant qu'il faut qu'elle aille au village pour faire certaines... elle doit aller sur la tombe des parents, elle doit envoyer l'argent pour qu'on fasse ça. Je lui dis que ok, c'est bien comme toi-même tu es consciente. Parce qu'avant son travail spirituel, c'est sa mère qui payait. Je lui dis que toi-même tu as sorti ton argent. Même si c'était 5 euros qui te restent. J'ai fait une vidéo sur la dîme l'autre jour. Je lui dis que si c'est 5 euros qui te restent, paie la dîme de 50 centimes. Tu vas voir. Dans la journée, quelqu'un va venir te donner 10 euros. 10 euros sont encore 1 euro, tu payes ta dîme. Le lendemain, on va t'appeler pour venir faire un boulot qui va te donner 20 euros. C'est comme ça qu'on remonte d'un trou. Il y en a parmi vous, c'est vrai, là, vous, c'est une autre échelle. Tu as peut-être acheté un terrain, tu découvres que le terrain est litigieux.
c'est que il y a des situations dans votre vie que vous avez déjà acceptées. Tu envoies la voiture au port, tu envoies la voiture, ça arrête, tu mets dans le conteneur de quelqu'un qui n'a pas l'argent pour te donner. Depuis 3 mois, ta voiture au port, dans le conteneur de quelqu'un. Quand tu commences, il y a des trucs que quand tu commences à faire, la malchance ne peut pas trouver ta maison. La malchance, je dis que ça va prendre tout le monde quand ça va arriver sur ta part. Merci pour le partage, la reine Tiché. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Et puis, vous me donnez les likes. Donc, je veux que vous puissiez comprendre que vous êtes responsable de vous-même. Parce que ce qu'il y en a parmi vous, c'est ma mère qui faisait ça. Ta mère est morte depuis 2 ans. Tu commences à lire, non? Tu ressens ça, ta mère t'envoyait seulement les trucs. Elle dit que lèche ça, lave-toi avec ça, mets ça là en bas de ton lit. Non, 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 non. Tu faisais. Maintenant que la mère est morte, tu vas faire comment? Tu vas aussi mourir. Je vais vous secouer avec mes paroles comme ça. Là, vous allez vous lever, vous allez faire ce que vous devez faire pour avancer. Il y en a parmi vous, vous êtes séparés de votre mari depuis 5 ans, 10 ans. Au début, il s'occupait de toi. Il reste un beau jour comme ça, il commence à dire que non. Bonjour, la reine Mérie. Il reste un beau jour, aussi, pas, il ne te donne plus l'argent, rien. Mamie, tu crois que c'est arrivé seul? Hein? Je veux que vous commenciez à réfléchir. Il y a des gens qui vous voient, vous êtes heureux comme ça, ça ne leur plaît pas. Et vous serez surpris de savoir qui c'est. Je ne veux pas que vous soyez parano. Je ne veux pas genre... Je ne suis pas de vous amener à être parano. Genre, est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est... Non, 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 non. Mais je veux que vous commenciez à réfléchir. Bonjour, la reine Zara. Il y a des choses que vous allez faire. Même passer dans votre maison la nuit, ils ne vont plus passer. Je viens de vous lire le passage. Il a dit que je vous envoie dans le monde. Vous partez au milieu des loups. Certains d'entre vous, vos mères sont vos loups. Ta mère te déteste comme ça parce que tu demandes que mince. Je suis sorti de ton ventre. Je suis sorti de ton ventre. Et certains parmi vous, vous devez vous séparer. Je vous parle toujours du travail des fondations. Si vous avez fait la consultation avec moi, et je vous ai dit qu'il fallait couper les fondations négatives que vous avez pris de votre mère ou de votre père, ne négligez pas ça. Il y en a parmi vous, bonjour la reine Sandrine, il y en a parmi vous, votre je cherche comment je vais formuler ça. Saint-Esprit, guide-moi. Il y en a parmi vous, vos pères, vous êtes le premier enfant. Il est parti quelque part, il a dit que prenez l'intelligence de ma fille. Ça lui a su son argent. Tu es vivante, tu es là. Tu es là, hein? Peut-être tu ne te marieras jamais. Peut-être ce que tu vas faire, tes choses ne vont pas avancer. C'est ton propre père qui a fait. Tu sais que ton père passe souvent au village et fait les choses. Mais il ne t'a jamais appelé que viens ou pas faire. Je vous donne les signes, hein? les signes, les petits signes. Peut-être tu es l'enfant qu'il a eu dehors avant de se marier. Maintenant qu'il se marie, il s'associe tellement avec sa femme qui est à la maison que toi qui es l'enfant de Déo là, il commence à te voir comme un enfant sorcier. Parce qu'il a été manipulé par sa femme, bien sûr. Bonjour la reine Tanko. Bonjour la reine Ouri. Et ce sont les choses que ça vous a fait mal, vous avez gardé. Tu as gardé aussi seulement comme ça, tu es toi seulement simple, simple. Quand tu es arrivé en Europe, tu as dit ok, ça fait 20 ans que tu ne veux même plus entendre parler de lui. Mais ce qu'il a fait est toujours là, mamie. C'est toujours là. Il est temps que tu te détaches et que tes choses avancent. Il est temps que tes choses avancent. Il y en a parmi vous, vous êtes partis chez vous, avez les tutrices. Tu vis chez une femme. C'est là, peut-être la copine de ta mère. On t'envoie en Europe tôt quand tu as 14 ans. Tu pars vivre chez la copine de ta mère. Ce n'est pas parce que les gens sont en Europe qu'ils ne pratiquent pas. Hein? Ouais, Seigneur, pardon, ouvre les yeux de tes enfants si. Je vais ouvrir vos yeux de gré de force. Il y a des gens qui ont des abonnements chez les marabouts ici là. Que leur chance là, ils doivent aller collecter. Bonjour Patou. Tu vis chez ta tantine là. Ah, n'est pas c'est la seule amie de ta mère. Tu connais toi quoi? On a mis les choses dans ta chambre. Est-ce que tu connais?
Certaines âmes, même dans des émails, elles sont les vampires. Même. Dans la nuit, elles viennent. Tu te vois seulement dans le rêve, comment elles viennent te donner que la nourriture. Ouais, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et ces gens de personnes-là, quand ils vont voir que vous commencez à vous détacher, ils vont voir. Il y a même d'autres ici là que vous tombez dans le même direct avec eux. Ils sont connectés, vous êtes connectés. Et ils connaissent tout ce qu'ils disent là. Ils ne vous ont jamais dit. Maintenant qu'ils vont voir que, ok, si je suis la fille, ils avaient dit qu'elle connaît maintenant quelques petites choses que je fais. Vous allez commencer à comprendre souvent certains de leurs gestes. Elle restait souvent comme ça là. Elle dit qu'elle doit voyager pour aller à tel endroit d'urgence. Parce qu'elle part là-bas pour un problème spirituel. Il y a des petits trucs que je vous dis comme ça là, que vous allez voir. Je suis en direct, pardon, ne m'appelez pas au... Aïe, 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 aïe. Tu cherches où se trouve ton cordon ombilical, là où ils ont mis ça. C'est normal, ma chérie. Il y a souvent les gens qui sont mal intentionnés. Même le cordon de vos enfants, ne donnez pas à n'importe qui d'aller enterrer. Parfois, vous êtes en Europe là-bas, vous gardez pour votre enfant, vous partez donner à quelqu'un. Oh, c'est mon tonton, non? Vous ne connaissez pas ce que la personne est partie faire sur ça. Vous me comprenez? Bonjour la reine Marie, je tiens. Fais très attention. Comme Tumba Minga a chanté que l'homme est mauvais. Il faut demander à ta mère. Généralement, vos mères connaissent. Il est crucial pour vous de commencer à vous éduquer par rapport à ces choses-ci. Si vous êtes nouveau sur la page, abonnez-vous. J'ai plein de vidéos. Vraiment, en moyenne, je fais une vidéo chaque jour, 6 jours par semaine. Donc, vous avez assez de vidéos sur cette page. Et ces personnes qui partent checker, ils connaissent que vous êtes choisi. Ils connaissent votre lumière. Il y en a parmi vous, on sait tellement. Certains de vos oncles sont tellement battus pour que vous venez vivre chez eux quand vous étiez petit. Vous ne comprenez pas pourquoi tonton là veut trop que je vienne chez lui comme ça. Pourquoi? Il y a certains tontons qui insistent beaucoup pour payer la pension de vos enfants. Ne soyez pas très simple, s'il vous plaît. Parce qu'on leur a dit que les enfants de la femme, il y en a parmi vous que tous vos frères et soeurs, vous avez la lumière sur vous. Quand tu avais un homme, tu ne peux pas faire 2 mois avec un homme, la vie de l'homme ne change pas. Mamie, ton énergie est... Et ils connaissent. Ce n'est pas parce que toi tu es simple que tu ne connais pas, qu'eux ils ne connaissent pas. Ils connaissent. Ils connaissent. Maintenant, je veux que vous appreniez à garder votre énergie. Apprenez aussi que tu te réveilles comme ça. Si c'est que c'est un gars avec lequel tu couches, que tu ne... Tu peux rester sans coucher avec un homme, non? Avec un homme, non? Et ça va te tuer. Il y a des projets que quand tu as été fait. S'il y a quelqu'un qui veut venir trop prendre ton énergie là, tu l'envoies d'abord au champ pendant 6 mois. Tu finis, tu tôles ta maison, tu meubles, ton meuble là, tu mets tous les meubles dedans. Et quand un homme arrive dans ta vie, il faut checker tes finances. S'il vient, ça tombe. On m'a dit dans mon patois, Loukot. Il vient, tu commences à douter de toi, tu commences à avoir peur, tu ne connais pas trop. Loukot. Si le faux, c'est pas toi de la personne, mamie, il n'a pas un genre que tu n'as pas encore vu. Il ne fait pas le genre que tu ne connais pas, mamie. Quoi? Bon, comment on garde son énergie? Abonnez-moi sur ma page YouTube aussi. J'ai des vidéos concrètes où je mets carrément, je prends les bains de sel là, je mets le truc dans l'eau, je montre comment je fais et tout ça là. Je vais poster ces vidéos là ces jours-ci. Ok? Ta grand-mère paternelle dit que c'est du côté de ta mère. Et ta mère dit que c'est du côté paternel. Ciao. Je crois que c'est aussi ça qui va faire que peut-être... Est-ce que tu es souvent instable dans certaines choses sans? Parce que quand tu dis comme ça, je vois une certaine instabilité.
peut-être la raison pour laquelle tu n'arrives pas à t'enraciner dans certains projets que tu fais, ou même dans ton couple, je ne sais pas. Et parfois, certaines de vos mères ne vous ont pas aidé. Hein. Tu as une mère qui est aussi seulement comme ça là. Tu as une mère qui est aussi seulement simple, simple comme ça. Elle ne t'a pas protégée quand tu étais petite. Elle ne t'a pas protégée. Elle ne t'a pas montré les choses. Elle ne faisait même pas sur toi. Oui, Sam, quand tu dis ça, dès que tu as dit ça là pour tes. Comment ils disent? Dès que tu as dit ça, je vois ça en fait. Que c'est, et si l'esprit te met ça à cœur, ce n'est pas pour rien. Non, ce n'est pas pour rien. Tu dois investiguer. On dit investiguer de là. Tu dois investiguer de ça. Moi, je suis dans le business et j'ai fait d'en dessous. Je dois aller voir des terrains ce matin. Je vous ai dit que je fais aussi les terrains. Donc, si vous voulez acheter les terrains à Douala, Douala Kribilimbé, on a des hectares. Donc, ce n'est même pas que les petits affaires. Ce n'est pas les petits trucs qu'on discute. Tu as été bloqué dès le bébé par ta propre famille. Ce que j'ai vu sortir de moi pendant mon traitement m'a laissé sans voix. Waouh. Ah bon? Waouh. Il ne faut pas prendre à la légère. Oh, bonjour et merci pour ton message, le roi Eric Sonfac. Donc, il y a des gens qui ne comprennent pas, non. Tu veux qu'on se dise comment? Attendez, je gère mon business. Ok. Oui, il y a des familles très compliquées. Levez-vous quand même à un moment et vous dites que tout ça doit s'arrêter. Parce qu'il y a des gens autour de vous qui connaissent la raison de votre souffrance. Et j'ai dépassé le niveau où j'ai peur. C'est pour ça que vous me voyez là. Je suis plus le genre que si telle personne de ma famille qui m'avait bloqué voit que je connais maintenant, ils savent que je connais. Ils savent. Ils savent. Vous comprenez? N'ayez plus peur. Ils savent, ils ne peuvent plus te tenter. Ils ne peuvent plus. Parce qu'avant, tu vois, avant, quand tu commences à comprendre, tu te dis, ah, et s'ils savent que je sais? Bonjour, meuf, maman, je parle seulement, je voulais faire le direct pour parler de quelque chose. Je me tombe seulement je fais que dire aux gens qu'il faut qu'ils se protègent. Donc, écoutez, il y a d'abord le petit niveau où tu as peur, il y a le niveau où tu ne connais même pas. On te gifle à gauche, droite, non. Le deuxième niveau, c'est que tu commences à dire que, ah, donc je suis censé me réveiller. Il y a le troisième niveau où tu pars commencer à faire. Tu fais, ok? Ça te réveille. En un mois comme ça, tu as même six choses que tu dois faire. Tu fais l'autre aussi. Tu vas faire, le travail spirituel, c'est le travail. Tu fais prière, oh, messe, oh, jeûne, oh, communion, oh, village, oh, tu fais seulement. Oh, comprenez, non? Quand tu passes au niveau-là maintenant, parce que quand tout ça est parti maintenant, tu commences à voir tes dons. Tous les trucs qu'ils avaient pris là, ça commence à revenir. Parce que c'était là, c'est moi qui venais chaque jour, je prenais. Ça commence à revenir. Ton titre, ton couronnement. Tu commences à rencontrer les personnalités. Il y en a parmi vous, vous êtes censé même vous marier avec des rois. Je vous dis vrai. Tu es censé, donc tu le sais, tu es censé même te marier avec un roi d'un village quelque part là. Mais ils ont toujours bloqué pour que tu ne le rencontres jamais. Quand ça commence à s'ouvrir, que pam, 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 pam. Laissez. Il y a certaines choses que je n'aime même pas. Quand tu passes le niveau là, hein, c'est le niveau où ho-ha. Ho-ha, tu n'as plus peur. Tu te mets ho-ha, tu parles. Je suis dans le ho-ha maintenant. Je suis dans le ho-ha. Parce que mon cœur là, hein. Attendez, pardon une minute. Allô? Ça comment? Oui, je suis très bien arrivé, merci. On a bien voyagé. Et vous?
D'accord. Ça s'est bien passé. Ok, non, pas la grâce de Dieu, vraiment. D'accord. Ils vont rentrer, madame, non? Ok, pas de souci. Du courage, oh, papa, du courage. Ok, d'accord. Bon, tout à l'heure, non? Je suis beaucoup de business en même temps. Donc, j'ai fait des vidéos que je vous dis que je vais mettre sur YouTube ici là. Donc, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler là, beaucoup insister. Quand tu arrives, j'ai parlé des niveaux, non? Quand tu arrives maintenant au niveau où c'est un peu en l'air, donc tu es vraiment. Tu portes ta couronne sans avoir peur de quelqu'un. Tu pars fête. Donc tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur. Et quand tu as ce niveau-là maintenant, tu peux aussi sauver d'autres personnes. Donc ce n'est même plus seulement toi. Tu peux diagnostiquer quelqu'un d'autre. Tu lui dis que va faire comme ça, comme ça, comme ça. La peur là, est partie. C'est le niveau où tu les gifles dans ton rêve. Quand ils viennent comme ça, là, tu les gifles. Ils viennent te tenter comme ça, là, tu les tapes. Ou même tes anges se pointent dans le rêve comme ça, là, les fouettes. Voilà. Et quand c'est comme ça, souvent, ils ne vous calculent plus. S'ils sont dans le même quartier que vous, le matin, ils vous regardent comme ça, là. S'ils ont le groupe familial avec vous, ils ne vous calculent plus. Ne poursuivez plus les gens, oh. Quand les gens vous fuient, ça veut dire qu'ils connaissent. Bon, je pense que c'est tout. J'espère que ça va éclairer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a demandé qu'on fait comment. Il y a d'abord la base. Nettoyer l'environnement de la maison. Il y a les outils comme le sel, les encens. Lucien Camille, je ne sais pas quelle vidéo tu es venu mettre ici, mais je vais te bloquer. Tu as compris, non? C'est Néné Kenny là-haut. Mais je n'ai pas fait vos publicités ici, là, ça me demandait mon autorisation. Vous avez le sel. La peur, c'est l'énergie négative qui s'est accumulée ici, là. Vous comprenez, non? Mes entretiens, c'est 40 euros. Vous payez 40 euros, 30 minutes. Je vois ce que je vois, ce que les esprits me montrent, je vous dis. Si vous venez avec les intentions de mensonges ou de ceci là, je vous préviens en avance. Donc ne venez pas pour me manipuler. Ne commencez pas à me dire que vous voulez la réduction, tout ça là. Je ne veux pas de me donner mon état. Voilà. Donc il y a mon numéro de téléphone que je mets généralement mon numéro de téléphone ici là. Vous voyez mon numéro, ça, je vais épingler, mais ça ne marche même pas. Ah tiens, j'ai pu épingler. Donc. La peur, c'est quoi? C'est une énergie négative que tu as laissée autour de toi longtemps, que tu as laissée entrer dans toi et tu ne t'es pas débarrassé. Pour enlever aussi la peur, ça se fait progressivement. Un peu comme la confiance en soi. On reprend confiance en soi progressivement. Est-ce que vous savez que dans la journée, quand je suis là comme ça, là, you pick up on vibrations, you pick up on thoughts. Excusez-moi, je traduis en français. Tu prends les énergies, ok. Je suis à Douala, je suis basée à Douala. Tu prends des énergies. Donc, il y a même les quartiers parfois, des quartiers comme Missoke, il y a certains coins de Bepanda là. Ou quand tu vis là-bas comme ça, là, oui, la nuit, tu ne dors pas. Parce que les choses là se baladent, ça passe pas. Ça. Ils ne passent pas ta chambre pour partir dans leur rendez-vous. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, ce sont les énergies négatives que tu as tolérées. Héritier Yaya, je fais des formations, papa. Formation pour transformer tes dons, tes talents, ton énergie là en argent. Oui. Si c'est si tu appelles que je rends les gens riches. Oui, je rends les gens riches. Mais si tu viens, tu peux devenir riche sans pouvoir. La richesse a besoin de discipline.
Tu vas te discipliner pour savoir comment payer ta dîme. Tu vas te discipliner pour savoir comment mettre une stratégie en place. Tu vas te discipliner pour savoir comment apprendre des lois financières. Si tu ne peux pas te discipliner, tu laisses. Parce que c'est quand même l'argent pour me payer, tu ne vas même pas payer. Certaines de mes formations, c'est 500 000. Quand il me dit que donne-moi 500 000, on dit, oh, il n'y a pas l'argent. Donc, laissons un peu l'autre là. Ok, continuons. Il y en a parmi vous, et ce n'est pas parce que tu es en banque que tu es à l'abri de ça. Vous comprenez bien. L'une des choses qui restaure rapidement votre énergie, c'est le sel. Quand il touche comme ça, là, partez dans votre maison, prenez le sel. Prenez dans votre main comme ça. Vous allez sentir la vibration. Là, comme je vous parle, je peux sentir ça. Héritier Yaya, si tu veux une interview, tu peux m'interviewer un autre jour. Pour l'instant, je suis en train de répondre aux questions des gens, ok? J'ai plein de vidéos sur la page, donc tu peux lire, je raconte mon histoire dans certaines de mes vidéos. Tu as compris, le roi Yaya. Si Yaya, c'est vraiment ton nom. Ok. Donc, je dis ceci. Le sel a beaucoup d'utilité. Je peux, comme le couteau peut permettre de couper la viande ou de tuer quelqu'un, ou encore d'éplucher l'avocat, ou bien, je ne sais même pas, on n'épluche pas l'avocat, on fait l'avocat. Je vous montre en fait que tu peux utiliser le sel pour faire beaucoup de choses. Le sel déposé sur ta table ne va presque pas te servir. Mais ce sel, quand tu le verses, tu prends, tu verses en mettant une intention dessus. Parce que vous avez du pouvoir à l'intérieur de vous. Vous avez vos ancêtres qui sont là pour vous back-up. Vous avez le Seigneur Jésus-Christ qui est là pour vous back-up. Vous me comprenez, non? Et parle-moi comme la vérité. Si elle ne peut même pas d'abord mentir, là. Elle ne peut même pas. Donc, c'est l'utilité. C'est ce que vous en faites qui fait la puissance de la chose. Et vous-même là, vous avez du pouvoir en vous. Mais ce pouvoir n'est pas activé. Parce que comme je vous ai dit, quand on vient, on met les cadenas sur vous. Quand on vient, on met les... C'est pourquoi vous m'écoutez même comme ça. Dès qu'elle parle comme ça, elle dit que, ah, pardon, qui t'avait été tout là. Vous voyez, non? Ok. Donc maintenant, quand on parle de sel, il y a plusieurs. Ça sont des sels, hein? Il y a le rouge, il y a tout ce que vous imaginez comme couleur dans le sel. Voilà, voilà le rouge. Voilà le rouge. Ok. C'est que ces affaires-là, ça prend tellement de temps, mais bon, je vais quand même m'expliquer. Mais là, je dois partir aussi. J'ai un rendez-vous que je dois honorer à 9h40. Donc, je vous ai dit, j'ai mis des vidéos sur, je vais mettre des vidéos sur YouTube que vous pourrez regarder. Ce que vous montre, c'est là, ça, je peux dire que c'est le niveau 1. Quand vous allez faire ceci, ça va commencer à ouvrir votre compréhension. Et ça va aussi faire qu'il y en a parmi vous, on a fait le genre que vous allez rejeter le savoir. Donc, tu vas tomber sur un truc qu'on te dit que fais comme ça, tu vas dire, ah. Une partie de ce qu'ils ont fait, c'est que toi, tu vas rejeter le savoir, en fait. Pas tout. Écoutez, je ne suis pas ici pour discuter avec vous. Vous me comprenez? Moi, je prie au nom de Jésus. Je délivre au nom de Jésus. Vous avez compris? Quand vous voulez me dire que, allez faire votre doux de nom de Jésus là, bien même. Vous allez faire ça et puis après vous allez venir, vous allez libérer, vous allez venir me dire. Bon, je continue. C'est pour ça qu'il y a certaines choses que je n'aime pas montrer dans les vidéos ici parce que quand elles montrent, je vais voir les décepticons qui vont venir ici là, commencer avec leurs faux commentaires là, ça me... Je n'ai pas le temps pour vous. Bon, je continue. Ce que vous montre aussi là, c'est un outil sur 150. Mais je sais aussi qu'il y a des gens que vous restez comme ça là, donc même la base si vous n'avez pas. Quand vous tombez sur ma vidéo comme ça là, vous allez là, vous like. Vous ne comprenez pas. Prenez seulement le sel aujourd'hui. Le sel. C'est inoffensif parce que vous-même vous mangez, non. Vous prenez ça, vous mettez dans votre nourriture, vous mangez. Ok. Il y a aussi de l'eau. L'eau. Le truc, c'est que quand vous partez à l'église, on vous endort. On vous fait comprendre que l'huile d'olive qu'ils utilisent à l'église là, n'est-ce pas pour les traditionnalistes, c'est l'huile rouge. C'est seulement l'huile qu'on n'a pas raffinée, c'est tout. Donc, ne vous laissez plus bloquer par les trucs que non, s'il n'a pas le nom de Jésus ici là. Pardon, je ne vais même pas rater dans ça. Ok, prenez le sel donc. Mettez l'intention. Noël, je suis à Douala. Si vous n'êtes pas à Douala, je fais mes consultations en ligne, en vidéo call.
Je ne vais plus lire vos commentaires, mais je vais expliquer ce qu'on doit faire avec le sel. Parce que moi, vous faites me distraire. Donc, premièrement, il y a votre environnement à la maison. Beaucoup d'entre vous, votre maison est... Ouais, Seigneur. Je vais seulement bloquer parce qu'il ne veut plus les... C'est les Decepticons qui arrivent ici, là. Vous, vous manquez ce que vous allez faire. Je n'ai pas le temps pour ça. Donc, prenez le sel. Vous prenez d'abord, vous mettez votre intention. Seigneur Jésus, voilà. Lisez le psaume 91. Généralement, avant d'aller vous coucher. Psaume 91, le psaume 4, verset 9. C'est le Seigneur qui vous donne la paix dans votre demeure. C'est lui qui vous protège. Je me couche sur ma couche, je dors en paix parce que c'est lui qui me donne la paix. Seigneur, je viens maintenant te demander de me donner la paix dans cette maison. Tout esprit mauvais, toute mauvaise personne ou mauvais esprit, vous ne savez pas qu'il y a des gens qui sont dans votre maison avec vous là-bas depuis longtemps. Hein? Vous ne savez pas. Et quand ils parlent comme ça, ils sont là, ils écoutent ce qu'ils disent. Testez ça, vous allez voir cette nuit. Vous allez voir. Parce que vos ancêtres sont aussi là pour vous guider. Vos ancêtres sont là pour vous conseiller. Et quand ils vous parlent comme ça, là, vous connaissez ce qui est vrai, vous connaissez ce qui n'est pas vrai. Ok. Donc, premièrement, quand vous visez de lire les passages, vous versez, aspergez le sel dans les coins de la maison. Si vous ne vivez pas seul, si vous vivez chez votre mère ou bien, ne partez pas chez quelqu'un, faites ça, s'il vous plaît. Parce que si vous demandez seulement la chambre à quelqu'un, ce sera un peu compliqué. La personne se réveille le matin, va commencer à dire que oh, tu es venu faire des incantations dans ma maison. C'est dans votre propre maison que vous pouvez permettre de faire ça. Et j'ai des personnes que vous... Et si vous vivez chez quelqu'un et sa maison est habitée par des esprits qui ne sont pas bien, votre lumière va commencer à déranger dans sa maison. Donc, si tu fais ça, il y a même une de mes filles, quand elle m'a contacté, on a commencé à se parler, ça fait 2 semaines. Et actuellement, elle vit chez sa soeur. Elle dit donc que sa soeur a commencé à faire des cauchemars sur elle. Qu'elle veut faire des mauvais trucs sur sa soeur. Je lui dis que c'est justement parce que toi, tu as commencé. Elle a ce don de me fort qu'elle a commencé à activer. Les Decepticons ou les esprits là sont maintenant allés mal parler d'elle à sa soeur. Donc vraiment, c'est très subtil. Si vous avez votre propre maison, vraiment, je vous encourage, faites ceci. Verse, et en versant le sel, demandez Seigneur, s'il y a des choses qui me bloquent, s'il y a des entités négatives dans cette maison, premièrement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous commande de sortir. Lui qui règne, lui qui était, qui est et qui sera. Vous avez dit tout à l'heure que les gens qui disent que seul Jésus vit là, oui, Jésus est Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas dit que mes ancêtres sont mon Jésus-Christ. Mais vous devez savoir comment engager toute autre chose. J'ai ma mère m'a accouché. Ma grand-mère a accouché, ma mère qui m'a accouché. Tu ne peux pas régner tes ancêtres. Je veux que vous puissiez comprendre. Parce qu'on partait à l'église, souvent on vous lave le cerveau. Vous commencez à dire que non, tout ça là, non, non, non. Vous devez savoir aussi engager vos ancêtres. Parce que parfois quand ta mère est morte, ta mère vient souvent, elle vient dans le rêve, elle veut même te parler, elle ne peut pas te parler parce que pour toi, elle te dit que non, quand ils sont morts, ils sont partis. Peut-être elle vient t'aider, elle veut te montrer quelque chose. Je vous le dis parce que je connais beaucoup de personnes que vous avez bloqué vos parents pendant des années. Ils ne peuvent pas venir vous parler. Donc tu verses et quand tu verses, tu parles. Tu vas dans la cour. Vous avez des cours chez vous. Tu verses dans la cour. Parlez, apprenez à parler. Ouvrez votre bouche. Parce que la puissance est en vous. Je vous apporte maintenant la conscience. Quand vous commencez à comprendre, vous activez la puissance en vous. Vous prenez vous-même, vous parlez. Vous me comprenez? Je n'ai pas dit que je suis votre Dieu. Je n'ai pas dit que c'est moi qui dois faire ça sur vous. Tu prends maintenant une autre partie de ce même sel. Laissons moi l'affaire que tu prends les sels des autres couleurs. Laissons. Je vous ai dit qu'il vous donne le niveau 1, niveau 0 même, pour commencer. Parce qu'il veut que votre conscience, vos yeux soient ouverts. Tu prends maintenant ce sel, tu mets dans l'eau. Est-ce que vous savez qu'on vous a tellement étourdi de telle façon que tu peux aller acheter le parfum Dove, tu achètes l'huile Dove, le gel douche Dove, tu achètes de ceci, cela, tu te laves avec, tu es content. Mais ton aura, ton énergie n'est pas activée ni protégée. Tu sais qu'ils ont mis quoi dans l'eau, dans l'eau, c'est l'huile là que tu utilises. Tu sais qu'ils ont dit quoi sur ça quand ils fabriquaient. Parce que dans le monde spirituel, tout fonctionne avec les incantations. Quand je mets l'intention dans quelque chose, je te donne, tu mets sur toi. Est-ce que vous imaginez même? Tu achètes un savon que quelqu'un a fabriqué quelque part. Tu ne connais pas qui. Tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas qui l'a dit sur ça. Tu prends, chaque jour fidèlement, tu te laves avec.
Tu prends l'huile que Nivea, Nivea, bah ouais. Nivea, ouais. Wow, Seigneur. Vous avez fait les choses, vous ne comprenez même pas. Nivea, c'est qui? Nivea, c'est qui? Jusqu'à tu fais, tu ne peux pas prendre aussi la part. On te demande de prendre peut-être telle poudre, tu mets dans l'huile pour te oindre avec. Tu dis non, 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 non. Nivea, c'est qui? Dove, c'est qui? Hum? Je vous dis que c'est seulement le test. Faites, si rien ne se passe, ne me contactez pas. Si quelque chose se passe, venez seulement écrire cela. Et je n'ai pas besoin de vos témoignages. Parce que Dieu, c'est Dieu qui parle pour moi. Je n'ai pas besoin de vos témoignages. Quand quelqu'un vient ici, là, comme ça, me dit que témoignage, je n'ai pas besoin de vos témoignages. Oh, je suis en train de sortir rapidement aussi au... Bon, je vais quand même finir ce qui est commencé avec vous. Quand tu mets ça dans ton eau, lis le psaume 35. Vous comprenez, non? Lis le psaume 35. C'est le psaume de combat. Et en lisant, hein, tu dois aussi méditer sur ton eau là. Je vous dis que ça, c'est le niveau zéro. Donc ça, c'est, je n'ai même pas commencé à dire que traitement de ceci. Le niveau zéro. Toute personne qui veut mon mal, qui m'a attaché, tout trou qu'on a creusé pour moi, tout ce qu'on a mis pour que je n'avance pas. Si c'est des trucs qu'on a mis sur moi, au Seigneur, je viens me débarrasser. En te lavant, tu parles sur toi. Vous allez faire les rêves de la nuit, c'est là que vous-même vous allez m'écrire pour me dire que maman, j'ai vu comment ma tante me poursuivait. Le visage là, vous allez voir les visages des gens qui vous oppriment chaque jour. Je veux que vous compreniez que la puissance est en vous. Ce n'est pas pour rien qu'il vient prendre votre puissance. Ce n'est pas pour rien qu'il vient prendre votre puissance. Vous pensez que si vous étiez n'importe qui, vous étiez... Ah, c'est qui s'intéressait à vous? Il y en a parmi vous là, que vos oncles, ces gens-là pointent même 5 millions par mois sur vous. Vous commencez un business, une petite opportunité, ça tombe. Petite opportunité, ça tombe. 35, 35. Et n'ayez pas honte, même si tu fais avec un homme, tu veux faire ta chose, mamie, fais. Parce que c'est qu'elle dit son salaire, il y a l'homme, l'homme ne veut pas faire. L'homme ne veut pas faire, mamie. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas faire que tu ne vas pas faire. Fais ta chose. Fais ta chose. J'ai parlé seulement du sel, parce que c'est que souvent vous pleurez l'argent. Ceux qui n'ont pas l'argent pour ma consultation, ne me contactez pas, je vous en prie. Je vois que quand il m'écrit maintenant, il dit qu'il n'a pas l'argent pour payer la consultation. Ok. Écoutez mes vidéos, vous allez faire ce qu'il dit dans les vidéos. Vous n'avez pas besoin de prendre mon temps. Voilà. C'est seulement le petit niveau que vous dit là-bas. C'est tout. Et vous serez surpris de savoir que beaucoup de vos amis connaissent ce qu'ils sont en train de dire là déjà. Ils ne vous ont jamais dit. Bon, il y a aussi l'eau. Toute l'eau, toute la terre est connectée. L'eau et le sel sont étroitement liés. L'eau et le sel. Donc les gens qui disent que oh, je ne veux pas l'esprit des eaux là, oh, c'est mauvais, je n'ai. Seulement un petit test. Certains parmi vous, vous êtes parfois très attirés par l'eau. Hmm? N'est-ce pas? Souvent vous faites les rêves, vous voyez sortir de l'eau, non? Je ne vais pas parler trop. Je ne vais pas aller trop loin. Je vais seulement dire un petit comme ça, je vais laisser. N'est-ce pas? Il y a des choses que la société vous a aussi dit pour vous endormir. Donc. Faites seulement fidèlement le lavage au sel là. Faites ça pendant 3 ou 4 jours. Tu peux faire le sel le matin. Quand tu fais ça le matin, c'est pour que s'il y a quelque chose, n'importe quoi qu'on a envie de déposer sur toi la nuit, tu enlèves. Quand tu fais le soir, c'est pour que si tu as porté n'importe quoi dans la journée, qui veut bloquer ta... que tu ne reçoives un message que les ancêtres veulent te donner dans la nuit, tu enlèves. Quand tu vas faire ceci, ça va te nettoyer. Il y en a parmi vous que vous êtes partis, vous avez dormi, vous avez couché avec des gens qui avaient des mauvaises énergies. Ou bien vous travaillez dans des endroits où il y a des mauvaises énergies. Chaque jour quand tu rentres du travail, tu es fatigué. Vous travaillez dans les maisons de repos avec les sorciers, sorcières là. Les pauvres, les vieux pères, vieilles mères là sont les sorciers. Ce sont les faux yeux comme si vous regardez comme ça là. Pardon, laissez-moi comme ça là. Je parle comme ma chose. Ouais. Seigneur Jésus. Il y a une grand-mère là, quand tu entres dans sa chambre, tu sais pas pourquoi je te sens toujours mal. N'est-ce pas?
Certaines de ces personnes connaissent ce qu'il dit là. Quand vous entrez, parfois, ils font des incantations. Une incantation, c'est seulement quoi? Je mets une intention très forte sur quelque chose. Par exemple, tu es en train de te faire mauvais sort, il parle, tu es là, tu passes. Tu t'occupes de lui, tu viens, tu le laves. Il parle. Ne soyez pas seulement bête. Vous travaillez dans la maison de repos en 10 ans, vous ne voyez pas ce que vous avez fait là-bas. Avec l'argent que vous avez pris de là. Marie Chichi, ton nom là même, ouais. Chichen. Tu rêves, on te donne les liasses d'argent. Et si tu te. C'est encore plus pire quand tu te réveilles et tu vois qu'actuellement là, tu n'as même pas 5 francs. Tu as les dettes jusqu'à. C'est très grave. Ça veut dire que dans le spirituel, on t'a déjà donné. Maintenant, il faut que tu te débloques pour que dans la réalité. Et je vous parlais d'énergie tout à l'heure. Beaucoup d'entre vous, vous avez aussi besoin de repos. Tu mets l'atmosphère à la maison. Voilà dimanche. Tu mets tes encens. Tu allumes la bougie. Tu te laves avec le sel. Tu te couches. Tu dors. Tu demandes aux ancêtres. J'ai pas dit que tous les vieux sont sorciers. Ouais, Polo. Comment vous voulez? Pourquoi vous voulez seulement mal voir ce que j'ai dit? Hein? Moi, j'ai seulement dit, ne mettez pas, don't take any chance. Ne courez pas les risques. Vous partez, vous faites seulement confiance. Et n'oubliez pas que quand vous parlez, ces gens-là, vous les touchez. Vous les touchez. J'allais expliquer quelque chose aussi d'important. Voilà. Vous mettez l'atmosphère, vous vous couchez. Avant de vous coucher, vous demandez. Faites même ce qu'il vient vous dire au celle-là maintenant. Vous dites que parlez-moi, dites-moi. Parce que vos ancêtres veulent communiquer avec vous. Mais vous-même, vous bloquez. Avec vos enseignements qu'on vous a dit là, ça bloque votre tête. Couchez-vous, dormez, ils vont venir vous parler. Prenez le sel comme ça, vous versez autour de votre lit. Ils vont venir vous parler. En versant, vous parler. Que s'il y a quelqu'un ici là, s'il y a même dans mon environnement, s'il y a n'importe quoi, que ma chambre ne soit plus un endroit de passage. Ce n'est pas la route d'ici là, c'est la chambre. Que je bloque toute porte-fenêtre qu'ils ont mis ici là pour passer pour aller chercher les gens. Vous ne passez plus ici. Vous avez le pouvoir. Ouais. La peur peut être transformée en force. Et vous devez aussi savoir recharger votre énergie. Recharger. Quand tu recharges ton énergie, ça, tu te réveilles, tu sens que ah, mes choses vont aller. Oh yeah. Ça va marcher. Ce que je vais faire va marcher. Tu vois, la peur qui avait dans ton ventre, là, ça disparaît. Ça part. Parce que c'est de l'énergie qui vient s'accumuler ici. Et après, c'est dans tes bras. Ça laisse là. Dès que tu penses, oh, dès que tu penses, tu as peur. La vie, vous avez foi. Vous n'avez pas trouvé une page sur Facebook où on vous dit ce qu'il vous dit là. Et je vais dire, vous n'avez pas fait. Vous êtes giflable. Vous êtes giflable. Vous êtes tout bête, simple. On vous cabosse la nuit, on vous tape la nuit. On ne se couche pas, on dort comme ça là. Le sommeil, c'est un moment. C'est un moment où tu communiques avec les esprits. Ils peuvent te parler. Sans tes blocages. Et quand tu mets bien ton environnement pour dormir, au lieu de faire des faux cauchemars qui vont te stresser, tu te réveilles avec la peur dans le ventre. Tu vois, on vient, on te donne l'argent, on te montre que pas là-bas, fais comme ça là. On te montre que va, tu te réveilles, ça, tu as une idée. Je devais appeler telle personne. Elvige, tu ne fais pas. Mais puis, c'est là chaque jour, je parle seulement. Voilà mon numéro WhatsApp. Contactez-moi. Si vous me contactez pour la consultation, vous n'avez pas l'argent pour me payer. Venez regarder ma vidéo par défaut. Je ne parle pas avec quelqu'un ça qui me paye. Je vous dis. Si vous avez les offrandes, vous m'envoyez sur le numéro là-bas. Donc merci à ceux qui ont déjà fait leurs offrandes. Merci. Je suis réveillée ce matin avec le sourire aux lèvres. Et aussi, pendant que vous dormez, normalement pendant que vous dormez, vos anges partent travailler pour vous. Ouais, Seigneur, pardon. Fais que tes enfants comprennent. Fais que tes enfants comprennent. Ne dormez plus n'importe comment. On ne tombe pas sur le lit comme ça. Même si tu es parti coucher avec n'importe qui, on finit de faire l'amour, on dort. Vous dormez quoi? Ma chérie, lève-toi, tu établis tes choses.
Tu mets ton environnement, tu bénis l'endroit, tu dis que parlez-moi cette nuit. Thiom Lionel, ouais, Seigneur. Au revoir, Thiom Lionel. Je suis ici là pour expliquer les trucs aux gens. Celui que ça n'a pas été bloqué, il ne blague pas. Vous avez compris, donc. Vous voulez venir mettre vos peurs sur moi. Vous voulez que moi, je vous parle que... pardon, je ne fais pas ce que vous voulez. Moi, il dit d'abord, vous me connaissez. Moi, ça ne va pas, il vous bloque. Ça ne va pas, il vous bloque. Voilà. Ceux qui ont compris ce qu'il a donné comme instruction sur le sel, si c'est la première étape. Faites ça, vous allez venir, vous allez me recontacter. Même si vous ne me contactez pas, ne vous inquiétez pas. Ma vie va. Ok. Cette vidéo, c'était pour le niveau zéro. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes comme ça là, vous ne comprenez rien. Vous êtes vraiment bien comme ça là, vous êtes même plus blanc que le blanc. Le blanc lui-même, le blanc de là où tu es, il part chez le médium. Toi, tu es là comme ça là. Tu es africain, tu n'as rien. Hey. Maman. Il y a les magasins spirituels chez les blancs. Entrez un peu là-bas, vous voyez. Entrez. Et vous avez l'avantage que vous avez vos ancêtres. Et vous avez encore Jésus au-dessus. Qui peut vous attaquer? If my God is for me, who can be against me? Votre quand vous a dit à l'église que, wow, Jules Farrell, toi tu connais, non? Le jour où tu dégames et te bloques, moi j'ai pas la pression, j'ai pas peur de vous. Ça, vous dégamez, je bloque. Je gère plusieurs business en même temps et je fais d'en dessous. Ok. Je vous disais que vous devez être le genre que votre énergie, non, c'est pas ça qu'il disait, mais je vais parler d'autre chose. Votre énergie doit être cruciale pour vous. Quand il me lève le matin, je ne me lève pas, je saute du lit comme ça. Oui, les blancs font ça. Les blancs partent dans les endroits, ils parlent à leurs ancêtres, ils parlent à papa, ils parlent à maman. Et parfois, hein, vous pouvez être même le seul ou le premier dans votre famille que vous êtes ouvert à tout ça. Votre famille sont là comme ça, élan, rien. Cabossé, 5 filles non mariées, jamais acheté un terrain dans sa vie. Tous comme ça là, élan. Vous commencez à être conscient. Parce que si tu ne te protèges pas, quelqu'un va venir prendre tes choses. Jésus parle du dévoreur dans la Bible. Ah! Oh! On m'a parlé, on m'a dit ma part que. On m'a dit que je. Jésus dit que tu plantes ta chose, tu vas te coucher, tu dors. Quelqu'un vient dans la nuit, il coupe, il part avec. Quelqu'un vient saccager ton champ. Oh! Oh! Ce n'est pas tout le monde, vous êtes seulement là. Oh, nous, dans notre famille, on ne veut pas. Il a dit soyez vigilants. Oui, il regarde avant de t'embaucher. Oui. Comme tu es simple comme ça, là, il y a quelqu'un là-dedans qui est en train de prendre ce qui te revient. Parce que tu ne connais même pas ce qui te revient. Tu es seulement simple, simple. Comme ça, là. Maman, on ne fait pas ça. Notre famille, nous, on est simple. Hein? Ok, soyez simple. Nous, on est seulement simple. Hein? On est seulement simple. Hein? Celui qui est en train de m'écrire sur WhatsApp, là, je vous ai dit. Fais-moi le transfert de la consultation. Je vais consulter à partir de cet après-midi parce que je sors là maintenant. Vous payez d'abord avant que je consulte. Ne me fais pas autre que... Rose, comme tu commences à vivre... Ouais, maman. Et quand tu fais ça, tu comprends que c'est simple. C'est simple, c'est évident. C'est simple. Hmm.
Bon, merci beaucoup. Faut qu'elle parte. On m'attend déjà. Vous l'avez compris, non? On se reprend demain. Vous savez que vous connaissez les heures de direct. Donc je fais les directs tous les jours à 19h, entre 19h et 19h15. Abonnez-vous, mettez les cloches de notification. J'ai des vidéos que je vais mettre sur YouTube où je montre comment mettre ça dans l'eau, comment mettre les sels dans l'eau, comment faire ça là. Vous voyez, non? J'ai aussi fait une vidéo pour les enfants. Comment stériliser ou bien comment... Je vais appeler ça comment? Comment sanctifier sa maison? Oui. Et aussi pour le sommeil, vous ne devez pas dormir comme ça. Là, il y a des choses que vous devez faire. Bon, il y a la formation aussi pour les choisir. Les gens qui... Non, Bénédicte, tu sais, même si tu connais ça maintenant, parce que tu as entendu que si tu savais tout ça là maintenant, depuis, ce que ça aurait changé certaines choses dans ta vie, il ne se fait jamais tard. Il y en a parmi vous que vous allez faire en 5 mois ce que vous n'avez pas fait depuis 20 ans. Je vous dis. Tu restes comme ça là, pam, 2 semaines, tu as l'argent, tu achètes le terrain. Tu pars, tu pas, pap, 2-3 semaines, tu as payé le terrain. Je vous dis que ce n'est pas, je vous dis. Après, tu restes en haut comme ça là, tu dis, oh, je vais encore faire 5 ans avant de construire sur l'immeuble là, de faire l'immeuble là-bas, oh, oh. Tu restes comme ça le mois prochain, quelqu'un vient te dire que j'ai une opportunité, voilà, si tu fais ça, 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 tu achètes le terrain. Dès que tu achètes le terrain comme ça là, il te montre comment tu fais, tu, dans 6 mois, tu vends le terrain là. Oh Seigneur, tu revends même à 3 fois plus que ce que tu as acheté au départ. L'argent de ça, tu prends, tu commences à lancer le chantier avec. Écoutez, votre vie n'avance pas, ce n'est pas le temps qui va faire. Ce sont les actions. Quand vous posez les bons actes, en un jour, votre vie va changer. Le genre que tu as laissé, tu as dit que je vivais même depuis. Dans ma famille, on fait toujours au moins 6 ans avant de construire une maison. Voilà qu'en 6 mois, j'ai fini ce que voilà ma clé dans ma main. Voilà ma clé dans ma main. Je vous parle des choses que je vis d'abord et que j'ai vu les gens. Je vais commencer à faire des témoignages parce que j'ai le groupe WhatsApp. C'est généralement là-bas qu'on partage les témoignages. Donc, mes trucs de. Généralement, mes trucs. Même, parce que Facebook, c'est là, vous aimez souvent, il y a des icônes. Quand tu fais la vidéo, il vient parler, commencer à parler. Gnagnagnagna. Je n'aime pas trop. Vous aimez venir parler, parler. Donc, il y a des trucs que je n'aime même pas. De rien, ok. Bon. Vous passez une bonne journée, oh, bonne journée, bonne journée, bonne journée. Que le Seigneur vous donne la grâce, qu'il vous bénisse, qu'il vous ouvre les portes aujourd'hui. Et ce que vous aimez seulement, vous dites amen, 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 amen. Quand tu reçois une bénédiction, sors une offrande, tu donnes. Moi, je vous le dis. Sors une offrande, tu donnes. Et comme tu sèmes, comme ça sort de ta poche comme ça, ce que tu as reçu, c'est pour ça que souvent vous regardez les vidéos. Hein. Vous regardez les vidéos 50 ans. Vous ne faites jamais ce qu'on a dit de faire dans la vidéo là. Parce que quand on dit gada, il y a 5 francs qui va sortir de ta poche, on a dit que hé. Hey, moi, je n'ai pas donné. Je vais donner mon argent. Hein. Vous pensez que c'est votre argent-là qui va m'enrichir? Ouais, Seigneur. Bonne journée à vous. Vous avez compris. Gardez votre argent. Bon, je sais qu'il y en a qui sont... Je ne vais pas quand même vous mettre tous dans le même sac. Je déclare quand même pour ceux qui vont... Il y en a qui ont... Il y en a qui obéissent. Il y en a qui écoutent ce que je dis et ils font. Cette semaine, il y a des gens qui ont payé leur dîme pour la première fois. Il y en a qui ont osé faire une offrande pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse pour cela. Ceux qui s'aiment dans ce que je fais, parfois vous ressentez, vous m'envoyez seulement l'argent que voilà. Que le Seigneur vous retourne 100 fois plus. Qu'il vous ouvre les idées. Parce qu'il y en a parmi vous, souvent vous avez les opportunités de business, mais la dernière minute, ça clash, ça ne donne pas. Que le Seigneur vous amène jusqu'à l'accomplissement, que vous voyez votre argent dans votre main. Je viens contre le syndrome d'avortement de destinée, avortement de business dans vos choses au nom puissant de Jésus. Quand vous allez mettre ceci en action, ce que j'ai dit là, comme c'est seulement la base, le Dieu qui m'a appelé, l'Éternel des armées, celui qui me protège, celui qui me donne la force, celui qui m'inspire, qui se pointe et qui fasse. Parce que quand le Seigneur me donne un message, il me dit que quand il vous dit, c'est lui qui va venir faire, ce n'est pas moi, c'est lui qui va venir faire, qui se pointe dans votre vie. Que vos ancêtres aussi communiquent avec vous, qui vous ouvrent la voie, qui intercèdent pour vous. Que la Vierge Marie aussi, parce que la Vierge Marie, c'est notre mère. Je sais que beaucoup de personnes négligent beaucoup la Vierge Marie. Impliquez-la dans vos prières, s'il vous plaît. Il y en a parmi vous-même, ces derniers temps, si vous recevez des messages, que vous devez acheter carrément la statue de la Vierge Marie, vous déposez quelque part à la maison, ou sa photo, faites-le s'il vous plaît. Faites-le. Il y a beaucoup de mystères que vous devez commencer à engager. Je viens contre l'esprit de peur. Toute peur qui a fait que vos business partaient toujours. Toute flèche qu'on envoie dans votre direction pour vous bloquer. Pour faire que la dernière, mais vous êtes bloqué, vous ne savez pas ce que vous allez faire. J'enlève ces flèches de votre cœur maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok.
beaucoup d'argent, vous savez comment il parle pour argent. Argent, 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 argent. Ok, l'argent ça circule, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Tu prends, tu investis. Ok, bonne journée à vous.